J'ai pas peur que ce soit trop violent. Comment ça, violent? Oui, là, par exemple, regardez. Mais ça, c'est pour sensibiliser les gens. Il utilise pour la première fois le mot « robot ». À partir des années 40, le grand auteur de science-fiction Isaac Asimov écrira les fameuses lois de la robotique dans des univers futuristes où les robots constituent une population à part entière qui cohabite avec l'espèce humaine. Dans le monde réel, que s'est-il passé ? Cela veut dire que la Lune tourne autour de la Terre dans un état de chute permanente. Si sa vitesse initiale était nulle, elle tomberait sur Terre. Le monde terrestre et le monde du ciel ne sont pas séparés l'un de l'autre. Tous les objets terrestres pèsent, gravitent, exactement comme les étoiles, les planètes et tous les corps célestes. La pensée s'échauffa. Et le réel éclata. Brutalement, la raison prit le pouvoir, changeant de nom pour s'appeler le vrai. En ce moment, le problème de la gravitation m'occupe totalement. Une chose est sûre, de toute ma vie, je n'ai jamais été aussi tourmenté. À côté de ce problème, la relativité restreinte est un jeu d'enfant. Einstein imagine un ascenseur. Un ascenseur isolé dans l'univers. Dans cet ascenseur, aucune force d'attraction. Les objets flottent. La loi d'inertie déclare « Un corps sur lequel on n'agit pas garde toujours la même vitesse. S'il est immobile, il reste immobile. » Imaginons, l'ascenseur accélère soudain vers le haut. Les objets par inertie restent immobiles. Le plancher de l'ascenseur les rejoint très vite.